Un jour, un vlog, un cadeau numéro 5, c'est parti! Je suis à la maison avec ma petite Marie. Où est-ce qu'elle est? Pas si petite d'ailleurs, elle est beaucoup plus grande que moi. Et on avait prévu d'aller courir comme tous les vendredis ces derniers temps. Et comme tous les vendredis, il pleut. Voilà, il fait beau toute la semaine et le vendredi il pleut. Ouais, c'est un truc de malade, hein. Faut peut-être qu'on change le jour. On avait mis la petite tenue et tout pour aller courir. Je vais emmener les enfants à l'école tranquille. Je pensais pas du tout qu'il pleuvait. Je prends pas de parapluie. J'ai fait mon brushing hier, tout va bien. Et à la moitié du chemin, il s'est mis à pleuvoir, mais vraiment beaucoup. Mais j'ai une salle de sport, hein. On peut toujours faire un peu de sport, hein, si tu veux. C'est pas pareil. C'est pour ça. À la base, on devait aller courir dans les bois près de la rivière et tout. En plus, il a fait un temps magnifique toute la semaine. Donc pour une fois, il n'y avait pas de boue. Et on peut pas y aller. Bon, allez, c'est parti, qu'à cela ne tienne. On va aller faire du sport à la salle de sport. Quoi? Tu marches, là? Attends, c'est bon, je m'échauffe. Ouais. Ça va, Marie? Allez, 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là. On échange. Oh, le tapis. Oh my god. Pas de pause. C'est parti. Oh my goodness. Je tiens même plus sur mes jambes. Alors, elle nous félicite. Mon dieu. Alors, comment est-ce? 30 minutes, c'est largement suffisant. Avant de commencer, j'ai dit on fait combien de temps? Elle m'a dit oh, 20 minutes de chaque. On commence. Oh, j'en peux plus. Bon, si on faisait 15 minutes de chaque, je crois que ça suffit. Oh là là. Dead. Et Joyce, tout le long, elle nous encourageait. Elle avait mal pour nous, je crois. Je vais pas vous mentir, vous savez que je fais moins de sport en ce moment. Parce qu'à chaque fois que j'en fais, je fais des stories de toute manière. Et moi, c'est tout, rien. Soit j'en fais tous les jours, ou 6 fois par semaine, ou soit je fais plus rien. Là, en l'occurrence, ça fait plusieurs fois qu'on dit qu'on va aller courir. Genre, oh, il pleut, c'est pas ma faute. On avait de la bonne volonté, hein. Mais le temps, il voulait pas. Bah oui. Ça, c'est une tête d'une vraie fille après la course. Ça, c'est une tête de youtubeuse après le sport. Oh non, je suis dead. Vous savez, je suis rouge écarlate. Ouais. Et Joy, je pense que vous l'avez déjà vue plusieurs fois dans mes vlogs. C'est la petite chienne de Marie. Elle s'est fait attaquer par un gros chien. Ouais. D'où sa morsure, là. Et souvent, elle vient et tout. Et les enfants, ils adorent jouer avec. Surtout Léna. Léna, elle adore jouer avec. Moi, bon, elle lui arrache les poils des fois. Et Liam aussi, au final. Liam, au début, il avait peur. Au début, il avait peur. Mais en fait, ils n'ont pas l'habitude de voir des chiens. Et après, ils ne voulaient plus la laisser partir. Ils disaient, maman, moi aussi, je veux un chien, moi aussi, je veux un chien. Le truc, c'est que nous, on voyage beaucoup. Donc c'est pas l'idéal. Moi, si j'ai un chien, j'ai envie de pouvoir m'en occuper et tout. Enfin, de toute façon, t'es obligé, quoi, de le sortir le matin, le soir. C'est comme un bébé. C'est comme un chien, c'est une galère en plus. C'est comme un enfant. Voilà, exactement. Mais bon. Moi, je suis plutôt dans l'idée d'avoir un chien quand les enfants ils sont en âge de s'en occuper, parce que j'ai envie de les responsabiliser. Du genre, ok, tu vas avoir un chien et bah tu dois aller le promener, tout ça, tout ça. J'ai pas envie d'avoir un chien et qu'en fait après toute la responsabilité elle va sur les parents. Du coup, je pense que si on a un chien, ce sera plutôt quand les enfants ils seront grands et qu'ils seront en âge de s'en occuper. Oh la peau. Elle arrête pas de se gratter sur tous mes tapis depuis ce matin. Il m'a volé mon bureau. Pourquoi t'as volé mon bureau? J'avais des vidéocalls. Et tu voulais mon sapin en fond d'écran? Enfin, en fond de vidéo. Je le lis en fond d'écran, surtout. Parce que normalement, son bureau à Joanne, il est là-bas. Et t'es pas un peu à l'étroit avec tous mes paquets, là? Et moi, je vous mentirais si je vous disais que ma matinée a été productive, puisque je suis en mode vlog. Sur mon ordi, en jogging. J'ai des trucs à faire, mais je pense que je les ferai cet après-midi, en fin d'après-midi, une fois que j'aurai bien rechargé toutes mes batteries. Parce que là, je me sens fatiguée. Et surtout, la course, là, ça va pas aider. Hein.
Moi, en fait, ça m'arrive tout le temps. Je me dis, je vais me prendre la matinée pour essayer de me reposer. Et en fait, après, il y a plein... Enfin, je laisse ouvert WhatsApp et il y a tout le monde qui m'écrit. Elodie, Laura, Sania. Il y a toujours des trucs à gérer, des trucs à régler. Donc, mi, je me détends. Mi, quand même. Voilà, elle est encore en train de m'écrire, je la vois. It's that time of the month, les gars. It's that time of the month. Et après, elle me réécrit, c'est assez urgent. Ok, je s'occupe. Laura, elle est trop adorable. Ce midi, j'étais trop, j'avais trop mal au ventre et tout. Du coup, on en parlait avec Joanne. Je disais, ouais, j'ai trop envie de rien faire cet après-midi, mais ça arrête pas de tous les côtés et tout. Elle me dit, mais t'as qu'à leur dire, t'as qu'à dire, j'ai le droit de répondre que par oui ou par non, je suis indisposée. Du coup, j'ai testé avec Laura, là. Elle m'envoie un questionnaire avec plein de choses à remplir pour un client. Et je lui dis, tu peux me le mettre dans ma to-do parce que cet après-midi, je suis indisposée, je peux répondre aux questions que par oui ou par non. Elle m'a dit, ok. Oh, elle est trop gentille. Ouais, j'ai de la chance, je sais, de travailler à la maison. Du coup, tu peux choisir quand tu travailles ou pas, même si je sais que du coup, tout ça, je vais devoir le rattraper à un autre moment. Bon, je me suis levée de mon lit et j'ai réarrangé un peu l'agencement là de ce côté-là de la chambre, je vais vous montrer. Donc ici, on a le coin un peu plus salon avec la cheminée, le sapin. Là, il y a le bureau de Joanne. Ici, j'ai mis mon nouveau canapé. Du coup, avant, il était collé là-bas au fond. Et je pense que c'est bien pour séparer les deux espaces. Ici, on va commander aussi un vrai bureau. Pour l'instant, on a ça qui était dans notre premier appartement. Et voilà, on s'en sert de bureau, mais dans l'idéal, on aimerait changer. Et du coup, là-bas au fond, j'ai mon bureau actuel avec mes petites plantes et tout, que j'aime trop, avec ma nouvelle chaise et encore un tapis. Ici, j'ai mis aussi deux petites... comment on appelle ça? Des petits guéridons, là. Des petits nouveaux que j'ai reçus de chez West Wing avec des petits livres décoratifs. J'adore. Sur mon bureau, j'ai toujours mes petits produits La Provençale parce que à chaque fois que je me prépare le matin, j'ai mes crèmes sur mon bureau ainsi que ma trousse à maquillage. Généralement, c'est là que je me prépare. C'est pour ça que j'ai un miroir. Enfin non, c'est pas pour ça que j'ai un miroir, mais vu que j'ai un miroir ici, c'est là que je me prépare le matin. Du coup, dans le lot du jour, vous allez pouvoir remporter une gamme entière La Provençale. Je suis trop heureuse. Vous avez 25 produits au total à remporter avec La Provençale. C'est une marque que j'utilise maintenant au quotidien depuis 3 ans maintenant. Je l'adore, j'aime énormément leurs nouveautés qu'ils ont sorti récemment là, la crème rose de jouvence anti-âge éclat qui a des petites teintes comme ça un peu rosées et qui illumine tout de suite le teint le matin lorsqu'on l'applique. Quoi de mieux qu'une petite démo? Donc moi, tous les matins, le petit rituel, c'est pareil. D'ailleurs, on n'est pas le matin, mais vous voyez que je ne me suis pas encore préparée aujourd'hui. Donc, j'utilise l'eau micellaire anti-âge pour nettoyer ma peau des impuretés de la nuit ou la rafraîchir tout simplement. Et aussi parce que j'adore l'odeur, franchement. Donc voilà, je me frotte un petit peu partout. Et ensuite, j'applique cette crème-là, donc la crème rose de jouvence. J'adore aussi l'appliquer les jours où je ne me maquille pas, comme aujourd'hui par exemple. Parce que on n'a pas besoin de fond de teint, rien que cette crème là, ça va tout de suite illuminer le teint. En fait, les petites nacres comme ça, elles vont refléter la lumière. Et j'adore personnellement. Et l'odeur à la Provençale, c'est vraiment une odeur... Donc pour participer au concours, comme d'habitude, vous devez suivre le compte de la marque ainsi que le mien sur Instagram. Vous devez liker et commenter cette vidéo en mentionnant votre compte Instagram. Bonne chance à toutes! Regardez, vu d'ici, on voit un peu mieux. Là, ça fait vraiment mon coin bureau. Canapé et le coin un peu salon. J'aime beaucoup. Je suis en train de voir là pour trouver un meuble pour aller ici. Pour ranger tous mes colis, etc. que je reçois parce que généralement je les pose sur mon bureau. Et c'est le gros bazar toute la semaine. J'en ai partout, j'en ai dans mon dressing et tout. Et je me dis que si là j'avais un meuble où je pouvais ranger mes trucs, et ça serait super pratique. Et du coup j'ai trouvé celui-là. Qui rentrerait bien dans la largeur et resterait même de la place. Et au niveau de la hauteur, il me paraît bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que les portes, elles coulissent à droite à gauche. Et comme j'ai pas un espace hyper large ici, il faut pas que ce soit des portes battantes. Je pense que ce serait pas trop mal. Bon, par contre, je viens de voir que la livraison, elle est en 15 jours. Du coup, ça, c'est un coup à ce qu'il me livre pendant que je suis en France. Donc, je vais attendre janvier. En plus, il y a les soldes en janvier.
biscuits alsaciens de Noël de Marie. Ils sont méga bons. Mmh. C'est des biscuits traditionnels alsaciens. Au citron. C'est bon, hein? On va manger tous. On va tous les manger? Oui. Mmh. Et voilà. Je parle pas trop fort, les enfants sont au lit, fin de journée. Je vais aller me reprendre une bonne douche, me mettre sous ma couette et regarder des vlogs. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu, que la série vous plaît depuis le début. En tout cas, ça me fait trop plaisir de vous parler tous les jours. Et du coup, on se retrouve demain pour un prochain vlog. Ciao !